For you, it was over. Everyone agreed, never again. You were on your guard. But no one could predict that it would happen again. And now, they're back. Beware. Club Internet et l'agence Publicis signent un film publicitaire hors du commun. L'auto-da-fé. Les productions de La Fourmi font appel à la patte du réalisateur Nick Mathieu. Il vous coupera le souffle et vous cirera les pattes. Nick Mathieu frappe ici un grand coup. Nick, just do it. Bienvenue sur le tournage le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Pour nous, l'Internet est aussi important dans l'histoire de l'humanité que l'ont été l'invention de la télévision ou celle de l'imprimerie. Parce que l'Internet est un outil de lutte contre l'obscurantisme, un outil de lutte contre l'intolérance, un outil qui participe à l'ouverture d'esprit ou à l'éducation de nos enfants. Alors on a choisi le thème de l'auto-da-fé parce que l'auto-da-fé est un événement traumatisant de notre histoire récente. Ou alors une organisation savamment destructrice avait choisi de s'attaquer au fondement de la culture. L'Internet est la première bibliothèque du monde et c'est certainement un outil qui ne se laissera pas détruire. C'est un outil de lutte fondamentalement contre toute tentative d'auto-da-fé. Pas fait, fait ici. Fait ou pas fait? C'est quoi le fait ou pas? Service militaire. Tout de suite, prendre la position comme si vous aviez l'arme. De l'arme de 3000 avant Jésus-Christ. Les soldats, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils brillent, c'est tout lisse, tout brillant, nickel. On dirait qu'ils sont ultra high-tech. Et c'est exactement ce que je voulais par contraste à la ville, tu vois, qui est suintante, qui est lourde, la foule qui est un peu sale, un peu fatiguée, et eux qui sont parfaits en fait. Le but du jeu, c'est de les faire marcher droit. C'est quasiment plus de la publicité, qu'on nous emmène carrément dans un véritable film, dans une atmosphère, dans une histoire en fait. Devant ce film, on va être au cinéma. Je pense que Nick, il est un peu tombé dedans quand il était petit, qu'il a je dirais, une caméra à la place de son œil. Moi, mon seul souci, en fait, quand je suis sur le tournage, c'est d'être sûr que ce soit exactement comme je veux. C'est-à-dire qu'à la limite, j'y pense pas qu'il y a 70 personnes ici et qu'on a des grands décors, machin. Parce que de toute façon, c'est un truc à devenir mégalo, sinon. Mais en plus, je m'en fous. Le but, c'est d'avoir dans le cadre ce que je veux avoir. Et c'est ça. Ma seule angoisse, c'est ça. C'est est-ce que le film que j'aurai au bout de la semaine sur les rushs sera le même que celui que j'avais dans la tête au début de la semaine? Et si c'est le cas, là, je suis heureux. On est tout près de l'alchimie. C'est une rencontre avec Nick Mathieu. C'est une agence qui fait confiance. C'est un annonceur qui y croit. C'est un réalisateur qui a 20 ans. On confie un film gigantesque. Et c'est magique. C'est Nick Mathieu. On n'a rien cassé, rien accroché et rien écrasé. Donc pour moi, la mission est réussie. Now you ready? Maybe it's fiction, and maybe it's not.
can do. An amazing show. Club Internet. The movie.